que Facebook était un monde virtuel. Pour cet habitant du nord d'Israël, les quelques dizaines de milliers de shekels qu'il a dû débourser pour avoir dépassé les bornes sur Facebook n'étaient pas virtuels du tout. L'histoire remonte à 2007. S et M filent le parfait amour jusqu'au mois de septembre où ils décident de mettre fin à leur relation amoureuse. Deux mois plus tard, S se branche sur Facebook et découvre que son ex-petite amie a publié des photos d'elle accompagnées d'insultes et de qualificatifs injurieux. S refuse de se laisser faire et elle dépose une plainte contre M pour diffamation. Le tribunal a déclaré l'ex-boyfriend trop bavard coupable et l'a condamné à verser à S 50 000 shekels de dommages et intérêts. Alors amateurs de Facebook, méfiez-vous, tout ce que vous écrirez pourra être retenu contre vous.